L'éducation est un art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, à développer ses qualités physiques, intellectuelles et morales de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale. Pour qu'une école soit disciplinée, pour que les enfants soient disciplinés, il y a d'abord la tête. Moi j'ai toujours dit, dites-moi quel préfet vous avez, je vous dirai quelle école vous avez. Ce qui avait poussé le député national de la circonscription de Mbanzangongo, Piantumbu Mutukalavo, de visiter le lycée Ukabu lundi 26 août 2024, là où il avait auparavant occupé le poste de directeur des études en 1994, dans les mêmes années était encore nommé préfet des études de 1994 à 98, avant de poursuivre ses fonctions à l'Institut Mayenga de Kulungungu. Bon, je dois quand même reconnaître que je suis désolé quand j'arrive, parce que j'ai les tableaux dans ma mémoire sur l'état de l'école quand je l'ai quitté il y a pratiquement 26 ans. Ça fait 26 ans que j'ai quitté cette école que vous voyez ici. Cette visite était l'occasion pour lui de se replonger dans l'environnement qu'il avait quitté quelques années auparavant et de constater les changements survenus depuis son départ. Alors l'image que cette école avait est du point de vue de la forme, donc les infrastructures, et du point de vue du fond, c'est-à-dire les niveaux des élèves, les apprentissages. Et je pense que c'est entre le soleil, c'est comme le soleil et la lune. Et je suis très désolé quand je viens ici. Je crois que le préfet actuel va faire un effort, ne fût-ce que pour changer l'enseigne que j'ai laissée, l'enseigne là que vous voyez. Je l'ai laissée. Il y a 26 ans, ça ne coûte rien de changer l'enseigne. Je vois qu'ils ont un peu changé là-bas, je vois à droite. Parce que moi, je n'ai pas laissé l'option pédagogique, ils ont été ajoutés là. Mais l'autre là, ce que vous voyez là, c'est vraiment c'est 26 ans. Ouais, c'est presque illisible. Mais ça ne coûte pas des millions pour changer. Et quand c'est cette image, rien que l'enseigne, ça vous dit déjà, ça donne une idée sur l'état des délabrements. Pierre Ntsumu Mutukalavo avait noté avec regret une certaine négligence apparente de la part de ses successeurs et a exprimé sa déception quant à l'état actuel de l'établissement. Je pense que cette école, je pouvais, si c'était un véhicule, je pouvais la déplacer à Kinshasa ou dans n'importe quelle ville de la RDC. Cette école n'a rien envié aux écoles de la ville. Parce que ça, c'est le travail des missionnaires. Quand les missionnaires ont construit dans notre province, en RDC, et ils ne faisaient pas de détails. Hein. Et ça devait être le modèle. Regardez le matériau. Des briques non cuites, mais durables. Cette école date d'avant l'indépendance. Lors de cette visite, Ntsumbu Mutukalavo a été accueilli par le préfet des études actuel, Emmanuel Lukombo, qui a reconnu et salué la rigueur et le leadership qu'il avait instauré lors de son mandat. Bon, à l'époque de notre en fait, ancien préfet, honorable Ntsumbu actuellement, il s'était bien organisé. L'école était bien organisée, il y avait la discipline. Alors ce qui a fait qu'aujourd'hui nous souffrons, nous qui devenons après lui, c'est parce que en fait, ses prédécesseurs n'ont pas tenu cette discipline que l'honorable Ntsumbu avait laissée. Il y avait négligence, c'est bien après. Quand il y a eu une négligence, après lui, c'était trois chefs d'établissement qui sont passés par ici. Parce que moi, je suis le quatrième. Nous sommes en train d'essayer un peu de tenir cette rigueur, remettre la rigueur, mais c'est tellement difficile. Mais nous tenons. Et à son époque, les résultats des états, c'était bon. Après lui, c'était vraiment le désordre. Il n'y avait presque plus rien. Parfois, il n'y a que ça succédait. À savoir que c'était pas la première fois que le lit du peuple avait foulé ses pieds dans cet endroit. Plusieurs fois avait remis des tôles au cas des désastres des pluies diluviennes. Parmi les écoles auxquelles j'apporte mon soutien, il y a le lycée. Je crois qu'il ne l'a pas dit. Quand il y a eu sinistre, nous avons apporté des tôles. Mais je crois qu'elle est encore dans le programme de faire ce que nous pouvons faire. Mais surtout, on ne peut pas compter sur le député que je suis, qui a trop de demandes à travers les territoires, rien qu'avec mon salaire. Donc on ne peut pas compter sur moi pour remettre vraiment à neuf cette école. Et il faut plutôt que le préfet prenne l'initiative avec les parents, l'apport des parents, pour que petit à petit on arrive à redorer l'image de cette école. Étant qu'ancien préfet des études, avait profité de cette occasion pour adresser un message à l'ensemble des anciens élèves qui ont bénéficié des orientations dans cette institution scolaire. Je salue ici tous mes anciens élèves qui m'ont connu ici, qui vont me suivre à travers le monde. Je leur lance un appel. Moi, je suis passé par ici en tant que député.
J'essaie de faire ce que je peux faire. Il y a des enfants qui ont été formés ici, qui sont à travers le monde, qui me suivent, à travers le Congo, qui ont certainement des possibilités. Voilà l'état dans lequel est devenue votre école. Est-ce que l'état n'est-il pas venu de donner à cette école ce que moi je vous ai donné, ce que l'état qu'on vous a donné, ce que les parents vous ont donné? À vous, créer un groupe WhatsApp, ça n'existe pas. Alors, à travers le monde, appelez-vous, cotisez-vous et moi je vais vous soutenir pour que cette école redevienne peut-être ce qu'elle a été. Il avait encouragé les élèves pendant qu'ils étaient en congé de se mobiliser à contribuer positivement au développement et à l'amélioration continue du lycée au Kabou. Il faut dire aussi que je dois reconnaître que les conditions dans lesquelles ils travaillent ne sont pas les mêmes que celles dans lesquelles moi j'ai travaillé, mais je tiens toujours sur l'esprit d'initiative. Et la maison que j'occupais, vous l'avez filmée, et c'est là que sont nés mes deux enfants. Moi, je suis venu ici célibataire. Je n'étais pas marié, je me suis marié ici. Et j'ai eu mes deux enfants, qui étaient tout petits évidemment, qui ne connaissent même pas les milieux, qui sont aujourd'hui dans la vie active. C'est cette maison-là qui les a vus naître. Donc je crois que je vais m'efforcer à la réhabiliter ou demander à mon fils aîné, qui est dans la vie active, de venir réhabiliter la maison dans laquelle il est né. Parce que c'est historique, il est né dans une très belle maternité. L'hôpital là que vous voyez de Kimpango, la maternité n'avait rien à voir envier à la maternité de l'Europe. Parce que c'était des religieuses belges qui étaient là au couvent, vous allez voir le couvent et à l'hôpital. Et quand vous entrez à la maternité où mon fils est né, ça n'a pas envié une maternité de Kinshasa. C'est tout ça, les émotions que je vis ici. Les passages du député national Piantsou Moutou Kalavo avaient laissé une impression durable, rappelant à tous l'importance de l'engagement personnel et collectif pour les biens de l'institution. Parce que le préfet, c'est les derniers remparts. Quand les professeurs ne savent plus supporter un élève, il ne reste plus que les préfets. Et si les préfets dépassaient, c'est fini. Donc c'est ça le conseil. Et ça, les compétences managériales, l'autorité, ça ne s'achète pas dans la rue. Ça ne se ramasse pas à l'appel. Il faut l'avoir. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme de licence ou de gradation de pédagogie pour être un bon préfet des études. Parce que le préfet des études, le directeur, il est directeur, c'est lui qui dirige, c'est lui qui coordonne. Il faut que le préfet apparaisse aux yeux des enfants comme un papa. Le papa ne cause pas du tort à ses enfants, mais le papa guide les enfants, montre les chemins aux enfants. Le papa sanctionne. Donc les enfants savent qu'à un moment donné, je ne peux pas me permettre ceci parce qu'il y a mon papa qui est là, mes parents sont là. Et au fur et à mesure qu'ils vont obéir aux parents, ils vont développer des réflexes d'obéissance. Voyez-vous ? Et ça deviendra une seconde nature, le fait d'obéir, d'être discipliné, la ponctualité, l'assiduité au cours, le travail, un certain nombre de valeurs qu'on communique aux enfants, mais un peu de rigueur et de fermeté, mais pas de méchanceté. Il y a des gens qui ne peuvent jamais être dirigeants, sinon pas les dons, vous pouvez lui donner la promotion, mais si ce n'est pas son don, ce n'est pas son don, ça aussi je le regrette. Et il n'y a pas une école qui forme les préfets, ça je dois vous le dire, ou les sous-préfets que j'ai été. Donc moi c'est une chance que j'ai eue. Surtout d'aimer le travail, surtout d'être conscient. Quelles que soient les difficultés, vous devez savoir pourquoi vous êtes là. En fait, tout ce que nous faisons dans la vie, même vous, journalistes, députés, préfets, enseignants, infirmiers, déjà, dès que tu es conscient de ton travail, de ton rôle, on ne voit pas d'abord ce que vous gagnez du travail. L'homme doit vivre de son travail. Si quelqu'un ne vit pas de son travail, c'est qu'il y a une injustice quelque part à réparer, qui ne dépend pas de l'homme. Mais toi qui fais ce travail-là, sache que tu le fais pour les autres. Dès que vous devenez incapable de rendre service par rapport aux fonctions que vous occupez, à mon avis, il faut être honnête pour démissionner. Et donc moi, c'est d'abord la conscience. Vous voyez, les parents qui envoient leurs enfants dans une école, et vous, les parents viennent, les enfants viennent apprendre. Les parents consentent des sacrifices. Les enfants eux-mêmes consentent des sacrifices. Et lorsqu'ils arrivent, il faut qu'ils reçoivent ce qu'ils viennent chercher. Voyez-vous, ils viennent chercher à l'école l'éducation et l'instruction. C'est-à-dire qu'ils viennent apprendre des compétences, les sciences, et ils viennent apprendre des bonnes manières, les savoir-vivre, les savoir-être et les savoir-faire. Les savoirs, les savoir-faire, les savoir-vivre, les savoir-être. C'est ça, lorsque cela est réuni, dans ce que vous êtes comme enseignant, dans ce que vous êtes comme préfet, vous communiquez aux élèves, vous n'avez pas d'enfants Koulouna. Vous n'aurez que des enfants disciplinés, des enfants qui vont servir à quelque chose dans le pays.
Ici, il est noté que Pierre Ntsumbu Mutukalavu avait clôturé les services de la CRECOM sous-prophète de Mbanzangungu de 2004 à 2008, ensuite sous-prophète à Songololo de 2008 à 2015 et enfin sous-prophète dans les chefs-lieux du Congo central à Matadi de 2015 à 2018 à l'EPSP, aujourd'hui EPST.